T'as eu Caster. Alors là, ça va être de l'ultra rapide, de chez ultra rapide. Tu vas prendre toutes les figurines de momie qu'il y a dans la boîte de Conan et tu vas les aligner en rond d'oignon sur ton plan de travail. Of course, ça peut s'appliquer à n'importe quelle figurine de type momie. Elles ont été au préalable sous-couchées de Skeleton Bone de chez Army Painter, ce qui est en général la bonne couleur de base pour pas mal de figurines. C'est en quelque sorte ma préférence à moi. L'avantage, c'est que ça t'évitera d'avoir à repeindre les bandelettes. C'est déjà bon comme ça. La première étape va être de peindre la peau de la momie. Alors ici, on va utiliser du Armour Brown de chez Vallejo, dans la version R. J'aime bien utiliser de la peinture pour aérographe quand je fais dans le fit fait bien fait. Tout le temps. Parce que ça évite d'avoir à les diluer. Gain de temps, gain d'énergie, plus de temps pour jouer avec tes figurines. Tu étales bien et tu évites de berdacher partout. Dépasser ou faire des tâches pour nos amis français. Si tu peux toujours corriger après, mais autant éviter d'y perdre du temps. En même temps, si tu débordes à un rien, ça ne se verra pas forcément très fort. N'oublions pas que le but est d'avoir rapidement un effet de masse sympa. Là, pour varier, je prends du Blue Tone de chez Army Painter, histoire d'avoir quelques peaux à la couleur différente. Ça leur donne un petit air de cadavre glacé, ma foi, fort sympathique. Après ça, on va s'attaquer aux armes. Alors d'abord, j'utilise du Warlock Bronze de chez Citadel, qui donne vraiment bien pour des armes de type ancien. Et après ça, pour varier à nouveau, j'utilise du Copper de chez Vallejo, dans la gamme R. La cerise sur le gâteau, c'est une bonne couche d'Agrax Earthshade de chez Citadel sur toute la figurine pour donner de la couleur brunâtre typique des bandelettes de momie. N'hésite pas à bien les recouvrir, mais évite de laisser s'accumuler de trop grosses taches à des endroits incongrus. Et boum, c'est fait. Plus qu'à t'occuper du socle de tes figurines. Tu peux soit utiliser un de nos tutoriels pour les décorer, soit les peindre dans la couleur de ton choix. Hors soclage, en une petite heure et demie, tu vas avoir fini une dizaine de momies. Si c'est pas la classe à l'américaine, ça. Comme d'habitude, la liste des peintures utilisées se trouve sous la vidéo, ainsi que leur équivalent dans d'autres gammes, et un lien vers des boutiques où tu peux les acheter directement en ligne. N'hésite pas à passer par là, ça permet de financer le blog et me commander une nouvelle veste faite sur mesure en Bulgarie. Allez les castards, see you later!